pour la Bessonnière. Il est arrivé à Rennes-le-Château au mois de juin de l'année 1885. Il est tombé dans une paroisse complètement abandonnée. Sans qu'il le sache, il a été nommé dans un but bien précis. J'ignore lequel, mais dès son arrivée, on le surveille. Alors, c'est lui. J'espère que votre choix est bon. Oh, Monsieur Bois, nous n'avons pas l'habitude de faire les choses à la légère. L'abbé Béranger Sonia appartient à une famille du pays. Pauvre mais honnête. Oui, oui. Parfaitement. Il est né tout près d'ici, à Montazel. Il connaît les paysans, il sait leur parler, ce qui est important dans la tâche que nous voulons lui confier. Quelle est cette tâche? Mystère. Le seul personnage sur lequel j'ai des renseignements, c'est l'abbé Boudet, le curé de Rennes-les-Bains. Il envoie à Sonnière une messagère, qui n'est pas une enfant de Marie, crois-moi. Du reste, elle s'appelle Marie. Marie Denardo. Ma famille est d'Esperanza. Chaque semaine, je vais chercher de l'eau de soufre à la source de la Madeleine et je l'amène à ma mère. T'as fait un long chemin pour arriver jusqu'ici. Monsieur le curé de Rennes-les-Bains m'a dit de vous donner la lettre. Sonnière se rend chez Boudet. Et là, il remarque plusieurs choses. Tous les jours. Enfin, je t'ai dit mille fois de ne pas partir sans me dire où tu allais. Mais je vous l'ai dit. Tu es toujours à courir. Enfin, ne discute pas, s'il te plaît. Ne discute pas et fais-nous du café. Il s'agit d'un pilier très très ancien. On date de l'époque des Visigoths, au 5e siècle. Et où se trouve-t-il? Chez vous. Dans l'église de Rennes-le-Château. Vous n'avez pas remarqué? Oui, il existe de très nombreuses traces de l'occupation des Visigoths dans le Languedoc. Alaric serait venu s'établir ici après le pillage de Rome. Et on dit même qu'il y aurait rapporté un trésor. Tout est parti de là, tu comprends? Le pilier Visigoth qui se trouvait dans l'église de Rennes-le-Château. D'où venait-il? Bon, tu me cherches une documentation sur Alaric et le trésor de Rome, d'accord? Encore une précision, je ne sais pas si ça a de l'importance, mais la Bessonnière était connue pour ses opinions réactionnaires. Il y a peut-être de la politique là-dessous. En 1885, la République n'était pas encore très solide. Des gens pouvaient avoir intérêt à la déstabiliser, comme on dit maintenant. L'état de notre Église, mes frères, est à l'image de celui de la France. Notre chère patrie, hier encore, fille aînée de l'Église, est aujourd'hui la servante de Satan. Je ne crains pas de le dire. Reprenons les paroles célèbres de la Pucelle d'Orléans, il y a une grande misère au royaume de France depuis que nous sommes en République. Du haut en bas de l'échelle, les fonctionnaires du pouvoir central s'efforcent d'effacer toutes les traces de notre religion chrétienne, sanctuaire à l'abandon, pasteur, réduit à la mendicité, tout leur est bon pour combattre la foi. Dans les écoles sans Dieu, les instituteurs républicains étouffent dans l'âme de vos enfants le germe d'immortalité que le baptême y a déposé. Voilà l'œuvre des hommes qui nous gouvernent. Faut-il les laisser continuer? Devons-nous plier le genou, baisser la tête? Non, non. Tu comprends ce qu'il dit? Je t'écoute pas. Dans 8 jours, vous allez voter. Vous êtes menteur et curé. Déjà? Celui-là, c'est un bavard menteur. Dimanche dernier, nous avons obtenu un beau succès. Il parle je contre la République, t'as entendu? Non, je t'écoute pas. De persuader leurs époux, aux hommes, de répandre la bonne parole. Je demande aux femmes de persuader leurs époux, aux hommes de répandre la bonne parole, à tous d'assurer dimanche le triomphe de nos idées devant nos adversaires républicains. Amen. Vous devez avertir les autorités, monsieur le maire. Il faut écrire au gouvernement. Bah, je ne peux pas écrire. On dira tout ce qu'on a entendu. J'ai pris bonne note. Qui c'est, la fille?
Je la connais pas. Moi, je l'ai déjà vue. Elle vient pour le curé. Eh ben voilà. J'espère qu'ils sont sages aussi à la maison. Pas toujours, monsieur le curé. Allez. Au revoir, monsieur le curé. C'est un beau serment que vous nous avez dit. Si seulement mon homme avait été là. Il faut lui parler, lui montrer où est son devoir. Je ne saurai pas. Le Seigneur vous inspirera, ma fille. Il a été violent, monsieur le curé. Le royaume des cieux n'appartient pas aux faibles. T'étais là aussi, Marie ? J'ai couru, mais je suis pas arrivée à temps. C'est pour moi toutes ces bonnes choses ? Monsieur Boudet encore ? Ah, il est trop bon. Et toi, bien trop obligeante. Mais ce n'est rien. J'ai du plaisir à venir ici. Dimanche 18 du mois d'octobre. Monsieur Béranger Saunière, curé de la paroisse, a attaqué le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il faut voter contre la République. J'ai écrit des choses, là. Comment on fait ? C'est toi qui lui parles en premier, Maurice et moi, on se cache plus bas. Bonjour, petite. Tu reviens de là-haut ? Tu as vu monsieur le curé ? Tu as été gentil avec lui. N'oublie pas ce que tu dois faire. Tiens, voilà une belle pièce pour t'acheter un corsage à la ville. Il paraît qu'on n'aime pas la République, curé. Qu'est-ce que t'en sais? On ne va pas souvent à la messe. Plutôt crever. Comme toi. Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi. Je vais pisser sur ton calvaire. De la République. Tu vas le payer. Ah. Si on voulait, on pourrait t'accrocher là-haut avec ton vieux. Tiens, voilà pour le gouvernement. Éteins-la de ma part. Tu fermes ta gueule. Thank you.
Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Le bon samaritain. Vous étiez là? Et je passais. J'ai entendu des cris. J'ai tiré un coup de fusil pour leur faire peur. Oh, merci. Qui vous a attaqué? Vous les connaissez? Oui, des vauriens du village. Oh. Ils m'en veulent parce que j'attaque leur république. J'aime mieux ça. Je m'appelle Elie Yesolot. Ça ne vous gêne pas? Pourquoi? Certains de vos confrères n'aiment pas les juifs et je suis juif. Au moins, tous les hommes sont des frères en Jésus-Christ. Vous êtes conduit comme un vrai chrétien. Ah, je me suis trouvé là au bon moment, c'est tout. Monsieur Boudet m'a dit du bien de vous. Monsieur Boudet, vous le connaissez? C'est un ami. Je l'aide un peu dans ses recherches. Mon père, vous sentez-vous assez vaillant pour rentrer chez vous tout seul? Prêt à reprendre le combat, s'il le veut. Mon père, n'usez pas vos forces avec ces gueux. Qu'est-ce que vous y gagnerez? Mon rôle est de défendre l'Église. Et s'il y a d'autres moyens? Lesquels? Je n'ai rien. Pas un sou. Une paroisse de misérables, une commune de mécréants, qui n'est même pas capable d'entretenir le bâtiment du culte. Je vis dans une masure, mon église prend l'eau, et les gens du village me tendent des guet-apens, et je devrais pas boucher. Je n'ai que mes poings pour me défendre. Et la confiance en Dieu? Je prie tous les jours pour qu'il me vienne en aide. Il vous a déjà exaucé, mon père. Votre zèle est connue. De qui? De tous ceux qui vous entourent. Écoutez, je vous promets de réunir les fonds nécessaires pour vous permettre de reconstruire votre église. Ils vous seront remis par l'une de mes relations qui vient en cure à Rennes-les-Bains. Il s'appelle M. Guillaume. Je ne connais pas de M. Guillaume. Il vous connaît, lui. Monseigneur vous prie de patienter quelques instants, M. le curé. M. Julien, j'ai une commission à vous faire de la part de Monseigneur. Voilà, il s'agit de voir pour cette affaire. Oui? Je porte le linge de Monseigneur. Ce n'est pas ici, ma sœur. Voyez son valet de chambre. Donc, pour le casuel de ces messieurs, nous sommes bien d'accord? Bien sûr. Cher ami, vous emportez ma bénédiction pour tout ce que vous pourrez entreprendre. S'il vous plaît, monsieur le curé. Mon cher enfant, comme je suis heureux de vous revoir. Bénissez-moi, mon père. Alors, eh bien, je l'ai vu, votre protégé. Votre impression? Plutôt crotté, la soutane. L'homme ne l'est pas. J'en suis sûr. Monsieur le curé, parfois un excès de zèle aboutit au résultat inverse de celui que nous recherchons. J'ai reçu une note à votre sujet du ministère de l'Instruction publique des Beaux-Arts et des Cultes. Monsieur l'évêque, encore heureux qu'il ne m'appelle pas citoyen. Suite à un rapport déposé entre les mains de monsieur le préfet de l'Aude par le sieur Braloux-Gustave, maire de Rennes-le-Château, il appert qu'un prêtre de votre diocèse, desservant de la dite commune, monsieur Saunière Béranger, outrepassant les droits de sa charge sacerdotale, s'est compromis gravement au cours de la campagne électorale des élections législatives des 11 et 18 octobre derniers,
par des actes et des paroles de nature à nuire à l'ordre public. Si le pareil fait devait se reproduire, je serais amené à prendre les mesures qui s'imposent dans la limite de mes attributions disciplinaires. Agréé, monsieur l'évêque. Tenez. Autrement dit, la prochaine fois, le ministre exigera votre déplacement et supprimera vos indemnités. Mes indemnités, 400 francs par an, monseigneur. À peine une aumône. L'Église vit de ses aumônes, ne l'oubliez pas. Puis-je compter sur votre sainte obéissance, mon enfant? Qu'est-ce que je dois faire, monseigneur? En premier lieu, vous abstenir de toute déclaration politique qui n'est pas de notre compétence. Ensuite, vous réconcilier avec le maire de votre commune. Vous aurez besoin de lui, comme nous avons besoin de vous, reine Le Château. En attendant mieux, voici de quoi compléter l'aumône de l'État. Un simple viatique. L'Église est pauvre, vous l'avez dit, monseigneur. Pas de scrupules. Un jour peut-être vous le lui rendrez au centuple. Et bon aujourd'hui, monsieur le maire. La Saint-Clément, c'est pas une habitude. J'ai demandé ce matin au bon Dieu en disant ma messe. Par sœur, si vous pouviez faire tomber de l'eau quand j'en ai besoin. On verra, monsieur Brassac, si vous êtes sage. J'ai mal au cœur de le voir trinquer avec ces outils-là. Il a bien changé, notre curé. Tout change, ma bonne, tout change, sauf la malice. Tiens, la drôlesse. Ça fait 3 jours qu'elle n'est pas venue. Ça la gratte par où ça la démange. Allez, ça n'a irait. Oui. Père, il faut que je vous parle. Sans rancune, curé. Je ne peux pas. Faisons la paix. Avec le sacrifice d'un innocent. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. À votre santé, mes amis. Et à la santé de la République. Pourquoi pas? À la santé de la République. Thank you.
Porto le cotel que farem de sang, porto le cotel que farem de sang. All'amour, all'amour, all'amour. Quand le train... J'étais sûre de te trouver ici. Vous m'y trouverez toujours. Je suis votre servante, mon père. Ma servante? Depuis quand? Monsieur Boudet m'a dit de rester chez vous, pour vous servir. Et ta famille? Tes parents? Tu les as quittés? Ils savent que tu es ici? Mais c'est de la folie. Non, tu peux pas rester ici. Mais pourquoi? Je ferai votre ménage, votre cuisine, je tiendrai votre maison comme doit le faire une servante. Ma maison? Je vois bien, tout dit. Mais bientôt, vous en aurez une autre. Tu crois? En attendant, tu peux pas rester ici. Tu dormirais où? Près du feu, comme un petit chien. Il faut être raisonnable, Marie. Si je m'écoutais, je te dirais oui tout de suite parce que... C'est vrai que je suis seul. Par moments, j'ai besoin d'une chaleur, d'une présence humaine. Et la première fois que je t'ai vu, j'ai senti une sorte de tendresse pour toi. Mais je suis un prêtre. Mon lot, c'est d'être seul. Un prêtre doit refuser toutes les affections humaines. Il ne peut vivre qu'avec Dieu. Vous ne me verrez plus, mon père. Non. Reste. Veuillez accepter mes excuses, monsieur le curé, pour le trouble de votre oraison. Je cherchais le moyen de vous voir au milieu de la fête. Et j'ai trouvé le refuge de votre église. Qui êtes-vous, monsieur? Je m'appelle monsieur Guillaume. Et j'habite pour le moment à Rennes-les-Bains, Grand Hôtel des Sources. Le bâtiment n'est pas en très bon état, pauvre monsieur le curé. J'apporte une modeste offrande pour le travail à faire. Prenez, cela est à vous. Je vous remercie, monsieur, mais je ne peux pas accepter une offrande sans savoir sa provenance. Vous pouvez, c'est un bon argent. Il est donné par la Maison de France. Et moi, je donne une deuxième bourse de la Maison d'Autriche. Mais pourquoi tout ça? Prenez, il le faut. Nous sommes dans le même camp, monsieur le curé. Le camp de Dieu. Beaucoup de travail. L'hôtel, monsieur le curé, il faut changer la pierre.
Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Oui. Êtes-vous français? Non. Est-ce votre nom, monsieur Guillaume? Non. Plus tard, vous saurez. La pierre. Vous n'oublierez pas. Roger, j'ai besoin de toi. J'ai lavé toute la maison. Mais pour les meubles, c'est trop lourd, je sais pas comment faire. Il faut que tu m'aides. Mais ça presse pas. Je peux pas toute seule. Et j'ai mon ministère auquel je dois me consacrer. Un prêtre n'est pas libre, Marie. J'aurais dû le comprendre. Oui, mais notre maison. Ma maison, c'est mon église. Toutes les autres passent après. À 2 heures, je reçois des confessions. Ensuite, j'ai ma leçon de catéchisme. Après, il y a des visites à faire. Dans le village, il y a des malades. On ne reste pas là. Rentre à la maison. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, madame Alexandrine. Allez-y, j'arrive. Merci. Monsieur le curé, moi aussi, je voudrais me confesser. Qu'est-ce que tu dis? Je suis une bonne chrétienne. Demain, c'est dimanche. J'irai à la messe, j'ai besoin de me confesser. Marie, enfin... Je ne peux pas recevoir ta confession. Mais pourquoi? Voyons. Vous n'avez pas le droit de refuser, monsieur le curé. C'est impossible. Très bien. Alors j'irai voir monsieur l'abbé Boudet. Non. Pas lui, surtout pas. Ou alors j'irai dans mon village, à Esperanza, ou bien à Carcassonne. Rentre à la maison, Marie. Tu n'as pas le droit de me laisser dans le péché, Béranger. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Que le Seigneur Tout-Puissant... Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Que le Seigneur Tout-Puissant soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous confessiez bien tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Avez-vous manqué à vos parents, à vos supérieurs? Non. Avez-vous causé du tort à votre prochain? Non. À vous-même? Non. Avez-vous éprouvé une affection coupable? Oui, mon père. Qui? Pour l'homme que j'aime. Avez-vous commis l'acte de chair avec lui?
Oui, mon père. De votre plein gré? Oui. Vous n'avez pas été forcée ni séduite par lui? Non. Je l'ai fait de tout mon cœur. Regrettez-vous? Regrettez-vous votre faute? Oui, mon père, mais... je l'aime encore. Est-ce que c'est mal d'aimer quelqu'un? L'amour ne nous appartient pas, Marie. Il est dans les mains de Dieu. C'est un amour total, exigeant que nous ne comprenons pas parce que nous sommes faibles. Nous nous laissons prendre aux apparences, à la beauté, à la jeunesse, mais la jeunesse est éphémère et la chair est périssable. Dieu est éternel. C'est lui que nous devons aimer. Oui, mon père. Comme pénitence, vous réciterez votre chapelet au pied de l'autel. Que le Seigneur Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ego te absolvo et peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je fais un ferme propos. Je fais un ferme propos. Moyennant votre sainte grâce. De ne plus vous offenser et de faire pénitence. Ça va là-haut? Ça va, curé. On a l'habitude. T'avises pas de tomber, hein? Vous me ferez un bal enterrement. Il y a monsieur Germain qui veut vous voir pour les bancs. J'arrive. C'est du travail de faire à manger à tous ces hommes-là. Oh ben, je veux plus simple, je fais une soupe au lard. Où est le pain, Marie? Dans la huche. Elle n'oublie pas le vin, hein. C'est vrai, ils boivent aussi. Votre curé, le premier. Par ici, Marie, on a faim! Du vin, on a soif. Le vin, c'est Justine. Ouais. Nous, on veut Marie. Ça va? Goûte-la. C'est la plus jolie. Eh ben, les pattes, Sagouin. Attention, René, chasse gardée. Pardon, madame le curé, je ne le ferai plus. Ces travaux, monsieur le curé, bientôt fini. Ah, pour le gros œuvre, tout sera terminé à Noël. Pour le reste, on a déjà les bancs et les meubles de la sacristie. Dis donc, en fait, René, j'aurais besoin de toi, de l'Augustin. On va déplacer l'hôtel après, hein? Hé, hey. Justine. À moi? On ne sert pas. Merci. On n'y arrive pas, curé. Trop lourde.
Mauvais. Avancez, avancez. Mais ne laisse pas tomber, curé. Un coup de main, mon père. Par pitié. Pas avant de savoir. C'est toi qui racontes que je couche avec Marie? Ah, jamais, je le jure. Alors c'est toi, le René? Mais non, c'est pas moi. Et puis, y a pas de mal à ça. C'est malin. Aucune importance. L'hôtel doit être changé. Regardez, curé. Il est creux, le pilier. C'est quoi ces machins-là? Je sais rien. Deus et ton nom, principium et finis. Qu'est-ce que c'est? C'est du latin. Dieu et l'homme, le commencement et la fin. Tu comprends? Non. Il y a des mots rajoutés, des signes. C'est un secret? Sûrement. Et si tu découvres le secret? À la fortune, peut-être. On sera riche. On s'en va, monsieur le curé? Je me rends à Rennes-les-Bains, chez mon collègue. Il paraît qu'il y a un trésor dans l'église. Les nouvelles vont vite au village. Vous voulez le voir, le trésor, monsieur le maire? Vu que l'église appartient à la commune, si vous avez trouvé quelque chose. Tenez. Prenez connaissance. Ça a peut-être de la valeur, ces vieux papiers. Ce sont des parchemins qui datent de plus d'un siècle. Je vais les faire expertiser. Si on m'en propose un bon argent, je les vendrai. Je vous donnerai la moitié de la somme. La moitié? C'est la loi. Moitié au propriétaire, moitié à l'inventeur. Si c'est la loi, dites, monsieur le curé, qu'est-ce que c'est, l'inventeur? C'est celui qui a trouvé. Ah oui. D'où viennent ces parchemins? Bien, ils ont dû être cachés là au moment de la Révolution. Un de vos prédécesseurs, à l'époque, un certain abbé Bigou, était le chapelain de la famille Blanchefort. Une famille de la région? Oui, une très ancienne famille. Un de ses ancêtres, Bertrand de Blanchefort, a été grand maître de l'ordre du Temple. Et vous avez une tombe dans le cimetière de Rennes-le-Château qui est celle de Marie de Hautpoule, dame de Blanchefort. Elle est morte un 17 janvier de l'année 1681. Quelle mémoire. Ah. Vous connaissez la tombe? Oui, bien sûr, bien sûr. Elle porte une inscription aussi mystérieuse que les phrases du parchemin. Que de mystère? Ah, vous n'en avez pas fini avec les mystères, mon cher abbé. Et ce signe, qu'est-ce que ça signifie? Je crois que je peux vous le dire maintenant. Vous êtes dans le secret.
Vous avez droit au secret. Ce signe est le monogramme de l'ordre. Quel ordre ? L'ordre du prieuré de Sion. Le prieuré de Sion est la main invisible qui a su vous guider à Rennes le château. Dans quel but ? Ah, ça vous le saurez quand nous aurons déchiffré les parchemins. J'en ferai faire une copie que je vous confierai avant votre départ pour Paris. Pour Paris ? Eh oui. Eh oui, c'est à Paris que vous trouverez les personnes capables d'expertiser ces textes et de les traduire. Je ne peux pas quitter ma paroisse comme ça. Il le faudra bien. Monseigneur m'a remis à votre intention une lettre d'introduction auprès du supérieur de Saint-Sulpice. Allons, Saunière, n'hésitez plus. Le chemin sera dur, mais la réussite est au bout. Puis, la petite Marie saura vous attendre. Pas besoin de vous recommander la prudence et la discrétion. Nous avons des adversaires. Monsieur l'abbé. Quoi ? J'accepte d'être guidé même par une main invisible, mais à condition de savoir si je suis dans la bonne voie. Soyez sans crainte. Le prieuré de Sion est la pierre sur laquelle l'Église bâtira le monde de demain. Vous pouvez nous faire confiance. Le vrai pouvoir n'appartient pas aux hommes en place. Il appartient à ceux qui possèdent la vérité. Je n'en connais qu'une, celle du Christ, le Fils de Dieu fait homme. Les mêmes mots ne recouvrent pas toujours la même réalité. Non, non. Ne tirez pas. Jette ton arme. Je ne sais rien. C'est Pierre qui savait. Qui est Pierre ? Celui que vous avez tué. Il a reçu de l'argent. De qui ? Mais je ne sais pas. C'était à Carcassonne. De qui ? Je ne sais pas. Je le jure. Un type que Pierre a rencontré. Chez Jeanne, un bordel près des remparts. Après nous avoir vus, il a dit « Allons boire un coup. » On a bu un coup. Pierre, il a dit « À la santé de l'homme à la tête de loup. » Tu resteras longtemps à Paris ? Je sais pas. Une semaine peut-être. Qui viendra dire la messe dimanche ? Monsieur Boudet. Je l'aime pas. Allons, allons. Un bon sourire, le petit chien.
pas de scrupule. Un jour peut-être vous le lui rendrez sans tuer.